Bien le bonjour. Si vous regardez cette vidéo et que vous suivez un peu mon contenu, il y a de bonnes chances que vous vous intéressez de près ou de loin au lore de League of Legends, ou plutôt de Runeterra. Eh ben, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles concernant le développement du lore du côté de Riot. Je vais commencer avec les mauvaises, comme ils le font aux infos, comme ça on les oublie vite en passant aux bonnes. Dernièrement, Riot a sorti deux nouveaux champions pour lesquels j'étais personnellement bien hypé. Naafiri, enfin une Darkin qui pourrait nous apporter un peu plus d'informations sur l'ancien empire de Shurima, ou alors sur les agissements actuels de Aatrox et Varus. Mais non, Riot lui a simplement donné une biographie banale qui parle vaguement de son ancienne puissance de transfiguré et comment son esprit s'est retrouvé divisé dans les corps d'une meute de chiens des sables. Ils ont sorti une cinématique avec, qui correspond en gros à sa biographie, et pour le reste des informations, ils nous ont laissé dans le flou. Et à la sortie de Briard, rebelote. Une biographie banale d'une arme vivante échouée, créée par la Rose Noire, puis capturée par Swain pendant son coup d'état. Elle s'est maintenant échappée de sa prison et se balade apparemment librement dans Noxus. La cinématique qui accompagne la sortie du champion est sympa et marrante, mais ne nous apporte pas d'informations supplémentaires non plus. Que fait-elle? Qui a-t-elle rencontré? Ça faisait tellement longtemps que Riot n'avait pas sorti de champion de Noxus, ça leur aurait permis de nous donner des informations sur les potentiels préparatifs de guerre pour la seconde invasion d'Ionia par exemple. Ou peut-être que Briard aurait pu partir à la recherche de Vladimir et le Cercle Écarlate pour en savoir plus sur ses propres origines, vu qu'elle a littéralement été créée grâce à l'hémomancie. Non, le seul lien entre Briard et Vladimir qu'ils se sont autorisés à faire, c'est une voice line in-game où elle dit « Je devrais t'appeler Vlad ou Papa ?» Ni Briard ni Naafiri n'ont eu le droit à des color stories comme on les appelle. Les histoires secondaires qui sortaient jusqu'à présent en compagnie de la biographie des champions pour nous donner des informations croustillantes sur leur personnalité et des événements passés ou récents les concernant. Pour Milio, on a eu les lettres qu'il a envoyées à sa famille pendant qu'il traversait la jungle d'Ishtal par exemple. Pour Belvette, on a eu la discussion qu'elle a eue avec Kaïsa suite à ce qui se passe dans la cinématique où elles se sont affrontées. Ces histoires sont importantes pour le lore, et accessoirement, c'est de là que viennent la grande majorité de mes fun facts. Et en fait, quand on a posé la question à Riot de savoir si Briard sortirait avec une color story, ils ont répondu que non, parce que a priori, Riot préfère se concentrer sur d'autres moyens de développer le lore de leurs champions, comme les cinématiques notamment. Le problème, c'est que ces cinématiques ne donnent pas vraiment d'informations supplémentaires à leur biographie. Qu'on les regarde ou pas, on n'en apprend pas davantage sur le personnage. Et en plus, ce ne sont pas les seules histoires que Riot a arrêté de sortir. Pendant des années, il sortait de manière régulière de nouvelles histoires écrites pour approfondir le lore de Runeterra et les champions qui l'habitent. Le plus remarquable de ces instances est quand ils ont sorti des histoires Froideur mortelle, La déesse sans visage, Le bout du tunnel et Au combat brisé, qui ont toutes servi de préambule à la cinématique L'Appel, qui est incontestablement la meilleure et plus épique des cinématiques que Riot ait sorti à ce jour. J'ai d'ailleurs prévu de faire une vidéo là-dessus à un moment, mais ne me demandez pas quand. Bref, le lore écrit de Riot a visiblement été mis en stand-by, avec certains de leurs écrivains qui se sont retrouvés à travailler sur Legends of Runeterra, mais d'autres qui ont carrément été licenciés. Quand on pense qu'ils nous avaient annoncé que 2023 serait l'année avec le plus gros budget jamais vu, ça fait mal honnêtement. Mais comme je disais à l'intro, j'ai aussi des bonnes nouvelles. Vu justement que ces écrivains du lore se sont retrouvés à travailler pour Legends of Runeterra, le lore qu'on découvre dans ce jeu à chaque nouvelle extension est de mieux en mieux développé. Par exemple, avec la sortie de Nidalee et Nico, il y a toute une histoire racontée à travers les cartes où on voit des braconniers venus de Piltover qui essayent de capturer des bêtes sauvages et exotiques pour ensuite les vendre aux arènes de Noxus. Nidalee et sa tribu de Paka s'occupent évidemment de les repousser non sans violence, et tout ça donne un aperçu des événements récents de Ishtal, qui est, en passant, une région qui manque pas mal de lore comparée aux autres régions de Runeterra. Prochainement, ils vont également sortir Janna et Volibear aussi, et j'avoue que j'ai vraiment hâte de découvrir les histoires qui vont accompagner ces deux champions. Bon, évidemment, c'est un peu plus de travail pour nous d'aller découvrir ce lore à travers les cartes, et c'est également bien moins détaillé qu'une histoire écrite approfondie de plusieurs pages qui parle d'un personnage, mais ça reste sympa quand même.
Et puis, il ne faut pas oublier les grosses sorties de l'année. La bande dessinée de Katarina, qui est magnifique, soit dit en passant, et qui a permis de non seulement donner une énorme profondeur à la personnalité de Katarina, mais aussi éclaircir au moins deux mystères qu'il y avait dans le lore jusqu'à présent. L'assassinat de Jarvan III et la disparition de Marcus du Couteau. En plus de tout ça, ce comics a permis de faire progresser le lore de Swain, Talon et potentiellement Cassiopeia, si on lit entre les lignes et que mes hypothèses sont justes. Il y a également les jeux de Riot Forge qui sont là aussi d'autres moyens d'explorer le lore et le faire avancer. Mageseeker nous a apporté des informations cruciales quant aux événements qui ont suivi l'insurrection des mages et qui auront un énorme impact sur la suite du lore de Demacia. Et puis Song of Nunu, qui est prévu pour l'automne de cette année, va très certainement nous apporter une pléthore d'informations sur le Freljord et ce qui s'y passe actuellement. On sait déjà que au moins Braum et Lysandra vont faire partie du jeu, et puis Nunu et Willump évidemment. Mais tout ça, ce n'est rien. Rien comparé à l'annonce récente dont vous avez sûrement déjà entendu parler. La sortie de la saison 2 de Arcane est prévue pour l'hiver 2024. Alors oui, c'est dans un peu plus d'un an. Mais personnellement, je suis très content de laisser Fortiche prendre leur temps si c'est pour nous offrir quelque chose d'aussi qualitatif que le chef-d'œuvre incontestable qu'était la saison 1. D'ailleurs, à ce propos, je n'ai pas encore fait de vidéo consacrée à Arcane parce que je n'avais pas encore commencé la création de contenu quand c'est sorti. Mais pour la saison 2, vous pouvez être sûr que je vais me donner à fond pour vous faire des vidéos détaillées et de qualité pour en parler. Donc oui, Riot a un peu abandonné les histoires écrites. Mais ça ne veut pas dire que le lore est en train de mourir. Je pense, et j'espère surtout, qu'ils concentrent leurs efforts sur le développement de l'histoire du MMORPG. Mais ça n'empêche pas que, personnellement, je me sens délaissé. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de commencer quelques projets personnels. Premièrement, il y a plusieurs mois, j'avais lancé le projet d'un serveur Minecraft de Runeterra. C'est-à-dire un serveur pour recréer la carte du monde de Runeterra et y construire les différentes villes. Plein de monde a été intéressé par le projet et leurs constructions sont franchement magnifiques. Je n'ai malheureusement pas réussi à gérer le nombre de personnes qui ont voulu rejoindre le projet et ça a été mis un petit peu de côté, mais maintenant je suis prêt à le faire repartir. Donc si vous êtes un bon builder Minecraft, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord pour faire partie de l'équipe et apporter votre pierre à l'édifice, littéralement. Deuxièmement, j'aimerais commencer une partie de jeu de rôle basée sur le lore de League of Legends et inspirée de Donjons et Dragons. La première partie se passera à Piltover et Zone et sera jouée en live sur ma chaîne Twitch. Si ça marche bien, j'ai prévu d'en faire une campagne qui se passera à travers tout Runeterra et permettra de découvrir de manière approfondie les différentes régions et le lore qui les accompagne, ainsi que quelques-unes de mes inventions personnelles évidemment. Troisième et dernier projet, je vais enregistrer toutes les biographies de champions en mode audiobook slash podcast afin d'en faire une playlist sur YouTube et Spotify pour ceux qui veulent juste écouter le lore tel qu'il a été écrit. Pas de commentaires, ni d'explications, juste le lore à écouter. Évidemment, ces nouveaux projets ne vont pas faire changer le contenu habituel que je sors. Les histoires complètes des champions et les compilations de fun facts continuent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis très motivé pour ce nouveau chapitre de mon contenu en quelque sorte, et j'espère que tout ça vous plaira. En attendant, à la prochaine.